Mars bleu pour le cancer colorectal et octobre rose pour le cancer du sein. Pour le dépistage, le bracelet rose, tout un symbole. Le fait de porter ce bracelet rose soutenant donc le dépistage cancer du sein, cela va permettre d'en parler à l'entourage et de soutenir la démarche. En Loire-Atlantique, les dépistages sont organisés par Cap Santé Plus 44, partenaire privilégié de la Ligue contre le cancer, pour la prévention par le dépistage. Dépistage, c'est important. L'intérêt, c'est de pouvoir diagnostiquer des maladies avant qu'elles ne deviennent symptomatiques, c'est-à-dire qu'elles donnent des signes d'alerte. Et c'est important, pourquoi ? Parce qu'on sait que pour les cancers, plus on diagnostique tôt la maladie, moins le cancer est évolué, plus on peut proposer des traitements qui sont efficaces et qui permettent d'avoir une meilleure qualité de vie et un meilleur pronostic. Donc au niveau de la Ligue contre le cancer, on travaille sur la mobilisation du public sur le dépistage organisé du cancer du sein et du cancer colorectal. On va s'adapter au public. Différents supports et visuels ont été créés pour toucher les publics les plus éloignés des campagnes de prévention. Et on travaille notamment avec un photolangage sur le dépistage du cancer du sein avec la notion de la tranche d'âge. Donc on va laisser la personne choisir des images selon en fait ce qu'elle entend par cancer, dépistage du cancer du sein. Concrètement, on peut aborder aussi tout ce qui est autour justement des symptômes, ce quiz avec des questions justement ouvrant le dialogue avec le public. Les dépistages organisés, en fait, sont proposés à tout le monde à partir de 50 ans et sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie.